prix d'un mois, je vends ça, je dois écrire ça ici. C'est à 19 000. C'est neuf, qualité et puis livraison à domicile. Elle habite un quartier périphérique de Lomé, la capitale togolaise, mais ses produits sont accessibles bien au-delà du pays. Une opportunité qu'elle a connue grâce à Goodies. J'ai posté un fer à repasser, j'ai posté un bureau complet. L'application, ce que bon, moi j'ai trouvé si bon, c'est que lorsque tu publies un truc, un article, on vous envoie immédiatement un email que votre article a été publié. Et aussi, la publication, c'est rapide. L'application enregistre sur Play Store plus de 1000 téléchargements. Elle compte à ce jour plus de 5000 articles postés pour plus de 2000 utilisateurs certifiés. Ils sont plus de 3000 clients satisfaits par Goodies Petite Annonce. Des chiffres encourageants pour les promoteurs de cette jeune application créée en 2022. En ce qui concerne ce qu'on peut poster sur Goodies, on peut poster les biens immobiliers, les biens vestimentaires et tout type d'articles vendables. La particularité de Goodies, c'est un niveau de système de sécurité très sophistiqué, un système de messagerie intégré, également la possibilité d'héberger sa boutique en ligne. Au Togo, le secteur du e-commerce a le vent en poupe. Le gouvernement a lancé en 2020 la stratégie Togo Digital 2025. Elle va permettre au pays d'asseoir une véritable économie numérique en toute sécurité. Le taux de pénétration mobile du pays est passé de 41% en 2011 à 78% en 2021.